Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Jelin. Jeudi, en ce samedi, qui c'est 5e journée dans le mois de mars 2022. C'est un honneur et un plaisir, chaque fois j'ai une chance pour moi entrer la caillou. Moi je dis merci à tous les amis, à toutes fanatiques, à toute famille, quel que soit à côté quoi coudin. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon sabbat. Objectif la Russie lorsqu'il t'a envahi pays Ukraine, c'est pour te entrer rapide, dans moins de 48 heures de temps, pour te contrôler la mer, remplacer le gouvernement et placer un président qui est plus favorable à la Russie. Mesdames et messieurs, je dis en fait 10 jours depuis que invasion sa fête. Peuple ukrainien, ensemble avec l'armée ukraine, yo décidé yo pa bay le gen si facilement. Pendant que n'a parlé là, ukrainien avec l'armée russe, y a bataille pour contrôle des villes dans le sud pays Ukraine. Et mesdames et messieurs, selon le rapport que nous recevons, selon ça que nous avons le peuple là, il n'a pas voulu bailler les gains si facilement. Bagay ça, c'est un testament de courage, esprit positif et un peuple qui détermine, quelle que soit la situation, liberté, le plus important que la vie, et au tout prêt à sacrifier tout ça qui a gagné, pour aucun bé sacrifier les libertés. Mesdames et messieurs, avant même de m'avancer, je vais me dire mon bagage. La Russie fait un gros erreur. Bon, je dis la Russie, je dis Vladimir Poutine fait un gros erreur. Li voye soldat yo dans pays Ukraine. Li fè ou konnen ke yo poil libérer yon peuple qui nan oppression. Yon peuple kap soufri, yon peuple kap mande pour la Russie entrer pour vin délivrer. C'est ça que vous avez dit, soldats. Mesdames et messieurs, lorsque vous vivez en Ukraine, soldats joignent un peuple qui vit dans la paix. Un peuple qui remet le système gouvernement. Un peuple qui apprécie la démocratie. Un peuple qui remet le pays. Un peuple qui pas voulu entrer en bas domination pays russe. Vladimir Poutine te fait comprendre que tout le monde qui est en Ukraine qui parle russe, yo, yo poil aider yo pour contrôler le pays. Mesdames et messieurs, c'est pas ça qui fait. Même monde qui parle russe, qui plus allié yo avec gouvernement russe, lorsque la Russie attaque pays Ukraine, yo uni ensemble avec tout le monde dans pays Ukraine pour bataille contre russe. Ça veut dire, invasion que la Russie fait sur pays Ukraine, li uni peuple là à yon seul et ou déclaré nous goûter démocratie, nous goûter liberté malgré ces russes que nous y est, mais c'est la caille nous ça y est. Ukraine c'est la caille nous, nous pour défendre li avec la vie nous. C'est ça qui a passé là, mesdames et messieurs, quel que soit ça qu'on attendait dans toute télévision, dans toute radio, dans toute YouTube channel. Samdou la, c'est bagay sa ki kembe
pays ça jusqu'à présent là 10 jours il y a lutté et jusqu'à présent la Russie pas encore gain contrôle pays Ukraine. Vladimir Poutine lui-même nous connaît. C'est une défaite, c'est une honte pour lui. Après tout ça qui passé là qu'on y a là, il pas gain choix. Il pas capable faire back. Même là, il peut paraître dans l'histoire à côté Hitler, à côté tout l'autre gros criminel dans le monde là, mais il pas gain choix, il peut continuer quand même pour prendre pays Ukraine. Même là qu'il t'a perdu des milliers de soldats. Mesdames et messieurs, nous songez, t'es gagné une ligne des tanks qui m'était partagé avec nous-mêmes. Une ligne des gros tanks, l'armée russe, qui était presque 30 à 40 km de distance depuis quelques jours. Mesdames et messieurs, tant que ça est toujours dans la même place côté OTI, il n'y a pas qu'à avancer. Il n'y a pas qu'à avancer parce que l'armée ukrainienne y a frappé au très dur. Air Force Ukraine qui va même en pile. Pilote qui les États-Unis ont enseigné. Soldats ça yo que US passe un petit temps à entraîner. Yo performé avec un pile bravo et yo complètement stop contrôler mouvement l'armée russe là. Ça c'est vérité. Seul espoir russe, seule victoire russe, c'est bombardement dans l'espace, missiles, coups d'armes. C'est seul gens ça yo capable contrôler petit peuple ça. Nous sommes capables de remarquer dommage que missile dans l'espace fait dans le pays. Ça, ce n'est pas monde qui a bataille. C'est gros coup de zam, gros missile qui a tombé sous le pays. Et mesdames et messieurs, ce n'est pas deux victimes qui fait dans le pays. Parce que les missiles a tombé, il n'y a pas besoin qu'on ait qui est qui mal, qui fait mal, qui moun qui l'armé, qui est qui civil, les tombé et les dommage. Ça, c'est ça qui est la bataille lâche là. Tout côté, c'est dommage. Yo complètement démoli pays avec missile. Mais malgré tout ça qu'a fait, mesdames et messieurs, l'esprit peuple a toujours été intact et y a bataille pour défendre pays. En pile victime, en pile monde mouri. Mais comme moi dis nous, peuple a lui-même, li campé pour défendre pays. Du feu pendant caillou, y a couru quitter caillou. Et yo dit, quel que soit sa crivé, quel que soit sa Vladimir Poutine fait, liberté ou bien la mort. Yo pap retourné en bas un dictateur, yo pap retourné en bas la Russie. Quel que soit ça qui t'arrive, yo, y a mouri pour défendre ti goutte liberté ça qui eux même yo joui. Mesdames et messieurs, ça que me dit nous là, ça c'est vérité a. C'est ça qui a passé qu'on y a là dans pays Ukraine. Mesdames et messieurs, l'autre bagaille qui arrive. Songez bien me dit nous. Déclaration de guerre sur Ukraine pour la protection de Russes, li pa bay Russes protection. Au contraire, li vin rann situation pi difficile pour Vladimir Poutine. Ou met quoi ça ki m'di la? Pour qui ça? Premièrement, la Russie t'a demandé pour que yo retire soldats avec gros âme dans une série de états qui fait partie de l'OTAN. Li déclaré que zone sa yo trop pril. Li bataille men ke yo gen zam. Ave di ke monsieur vin paranoïde. Pense que objectif pays ou bien organisation OTAN, c'est pour contrôle pays. Pas gen pays qui te vle envahi, oui.
Autant objectif, les mesdames et messieurs, si nous ne connaissons pas à faire recherche, à find out qui ça autant y est. Autant, c'est protéger petit pays afin que l'autre gros pays pas prenne. Quitter petit pays à vivre dans la paix, dans la démocratie, pour que l'autre pays pas prenne. Objectif autant, il dit, si vous attaquez un petit pays qui membre nous, c'est nous tous qui vous attaquez. Autant, il est ouvert pour la Russie s'il t'a voulu entrer. Tout pays qui t'a voulu faire partie de liberté ça, de paix ça, il y a un choix pour y entrer. Combien de temps qui a passé là, pas jamais envahi, Russe? Qui moun kap bataille derrière? Pas un peuple autant kap bataille qu'on y a là derrière. C'est la Russie kap bataille. C'est au continent Georgia. C'est au continent Crimea. C'est au calvo et zam dans Syrie. Pas un monde qui attaque, Russe. Mais la Russie utilise zam nucléaire pour mettre monde là en otage. M'vle qu'on pense ça kap fait là. Alors nous pensons que le monde pourra le chita vraiment. Pour accepter yon pays, yon l'homme, dit yo qui ça peut faire. Et ça fait que quand vous voulez ou pas voulez, troisième guerre mondiale capable de faire. Et nous dit mon Dieu qu'il ne peut pas jamais faire. Parce que il pourrait être un désastre. Mais mesdames et messieurs, avec yon monde tant que Vladimir Poutine, yon monde qui n'a pas de raison, yon monde qui n'est pas capable de négocier. Il y a un monde qui pense ça avec zam qui est capable de faire monde couper. Il y a un monde qui pense ça son danger qui lié. Est-ce que Vladimir Poutine pourrait vraiment accepter pour le chita sous table pour le négocier pendant que ça qu'il veut, c'est ça qu'il veut. C'est couper le monde se demande lui. Il y a un bagage qui pas jamais fait ni aujourd'hui ni demain. Président Zelensky toujours a imploré tout le monde dans le monde là. N'importe quel monde qui t'a voulu aider l'a demandé pour entrer dans pays Ukraine sans visa pour une botte de secours. Parce qu'il y a un problème. L'armée russe a encerclé le pays. Actuellement, il y a des bateaux de guerre qui ont avancé en direction d'une zone qui est Odessa. Odessa, c'est un port très important pour le pays Ukraine. C'est là un peu le commerce fait. Si la Russie t'a pris le contrôle, zone ça, la Russie pourra le squeeze pays Ukraine. Pour qu'il n'y ait pas de l'eau, pas de manger, et les grands qui commencent à être encore, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'accepter soumission afin que les Russes soient capables d'entrer pour contrôler. Situation a commencé vraiment à détériorer. Mais comme moi dit, esprit peuple là, il est très vivant. Et il y a bataille pour liberté ça qui a gagné. Aux États-Unis, Joe Biden a fait ça qu'il est capable pour protéger le pays Ukraine. Mais comme nous connaissons, c'est une situation très sensitive. Parce que les États-Unis a fait tout ça qu'il est capable pour ne pas entrer dans une guerre avec la Russie. En pile monde pas comprendre ça qu'a fait là. Gen moun ki dit c'est parce que les États-Unis peur la Russie. Mesdames et messieurs, encore manque de compréhension, manque de connaissance. Nous pas vraiment veut comprendre ça qu'a passé là. Les États-Unis, li comprendre qui ça la Russie voulait. La Russie voulait créer une situation pour le capable de lancer des armes nucléaires avant que Vladimir Poutine mouri. Nous avons dit sincèrement, il voulait paraître comme Yon, puis Aurélie, Hitler II. Mais les États-Unis, ensemble avec les pays européens, ils comprennent ce jeu-là. Et ils n'ont pas voulu entrer dans la pensée ça. Ils ont essayé quand même de faire une façon pour protéger l'Ukraine, aider l'Ukraine, sans que ne pas entrer dans la confrontation avec la Russie. Parce que n'importe qui erreur, n'importe qui calculation capable fatale. Comme on dit nous, Vladimir Poutine c'est un lion qui blessé. Ou bien c'est un hyena, pas de lion, c'est un hyena qui blessé.
Et parce qu'elle est blessée, il a fait une bonne bagaille. Actuellement. Économie écrasée, réputation tombée, peuple a révolté, armée a commencé à perdre toute force. Yo. Il fait comprendre que même Air Force Russland par a presque campé devant ti Air Force pays Ukraine. Et qu'on y a là, c'est gros missiles avec gros bombes, armes à feu que la Russie a voyé pour détruire les peuples ukrainiens. Ça veut dire, bagay la pas bon du tout pour yo, dans le sens ça, les États-Unis comprennent bagay la. Et y a fait tout ce qu'ils sont capables pour yo empêcher yon confrontation directe avec la Russie. Négociation continue, mesdames et messieurs. Mais pas grand sérieux qu'a fait dans bagay ça. La Russie, tout ça qu'elle a demandé, c'est pour l'armée à mettre des armes à terre, c'est pour Zelensky démissionner, pour balayer une chance, pour le capable placer un popette gouvernement qui pourra bailler lui-même toute chance pour contrôler le peuple ukrainien, pour le faire venir dans le russe. Mais mesdames et messieurs, côté zone, côté pas Ukraine, délégation, yo campé sous Brenzing yo tout. Yo campé sous décision yo. Yo dit non. Celle ça qui a besoin, c'est pour l'armée russe la retenir puis la caillou. Et puis eux même puis commencer rebâtir pays yo. L'autre bagarre qu'a fait mesdames et messieurs, ce sont des mensonges qui la Russie a bail peuple dans pays là. Yo fait connait que même moun dans pays russe pas même connait ça qui a passé en Ukraine. Par exemple, dame sa kwa gade la, rele maman qui habite en Russie. La Russie, c'est là que maman l'habite. La p'di maman que comment que l'armée russe lan a détruit city, a détruit ville lan avec coup de zam. Li fait comment que maman est pas même kouel. Maman dit comme ça que l'armée russe la patap jom font bagay comme ça. Yon patap jom target civilien. Il fait qu'on est que c'est ukrainien yo. C'est au même capturer propre peuple pa yo. Ça mesdames et messieurs, c'est message ça qui télévision russe yo a bay. C'est-à-dire que moun nou ka mouri là en Ukraine mesdames et messieurs. C'est pas armée russe la capturer yo. Mais vous faites comprendre que c'est ukrainien au même capturer propre peuple pa yo. C'est message ça qu'a prêché dans toute télévision russe yo. Et spécialement télévision qui appartient à pays russe. Mesdames et messieurs, il y a un débat qui nous pas connaît. Dans pays dictatorship yo, pays tant que la Russie, Corée du Nord, la Syrie, tout bagay sa yo. Pas gain liberté de la presse. Nous connaissons ça très bien. Ou pas capable parler, ou pas capable exprimer sa koué, ou pas capable dire vérité. C'est seulement ça que état gouvernement vle, c'est lui-même qui dit. C'est comme ça que dit. C'est gens de gouvernement ça qui haïtien vle. Côté que ou pas ka parler ou pas ka exprimer. C'est ça que gouvernement vle, c'est ça qui dit. Et bien c'est ça qui a passé là dans Russe. Les tellement prêché même moun nan pays a pas croire ou. Sou ta fait ou connaît que gen soldat qui mouri dans pays Ukraine. Yo pas croire ça. Parce que pas gen personne dans pays ça qui dévoile bagay sa yo. On nous continue. La Russie hier fermé bloqué toute télévision, toute radio qui est indépendante dans pays. Par exemple, yon ki rele TV Ren li fermé toute channel indépendant yo. Fermé. Gayon qui était le Echo of Moscow. Et hier, li fermé parce que la Russie mandé puis fermé bouche yo. BBC Voix de l'Amérique tout bloqué dans la Russie. Ça, c'est action yon dictateur. Voix de l'Amérique, BBC yon série de télévision et radio qui baille nouvelles sans fausse côté.
en pile respect partout dans le monde là. Mais parce qu'il a dit vérité, parce qu'il a parlé ça qui ouais, eh bien là aussi fermé yo. Radio Free Europe yo fermé. Radio Liberté yo fermé. Dutch Media tout outlet si yo pas pour la Russie yo tout fermé. Et même là qui yo dans la Russie, si yo pas parler ça gouvernement voulait pour parler ya, yo tout fermé. Mesdames et messieurs, ça c'est démocratie ça en pile dans communauté noire à chercher. C'est moun sa yo, c'est gens de gouvernement ça qui en pile moun qui pensait qu'il connaît dans communauté ya, qui ça qui a poussé. Facebook, Twitter, tout fermé. Wikipédia. Wikipédia mesdames et messieurs, yon place qui bay histoire et information sur ta besoin qu'on a. Yo fermé dans pays russe. Ça m'abdoula, c'est ça qui a passé qu'on y a là dans pays dictatorship pour tout monde qui a prêché et qui a pris main gens de gouvernement ça yo. Pour capable continuer guerre ça contre média. Hier qui s'est arrivé. Douma, yon magay dans la Russie qui nous capable considérer comme yon un sénat chambre des députés bay comme ça. Mais il pas vraiment vrai réel parce que c'est la Russie c'est seulement Vladimir Poutine qui parlait. Mais quand même, yon passé une loi hier pour bay 15 ans prison à n'importe moun kap bay information. Alors, yon dit que pour n'importe moun kap spread false information, ça veut dire qu'il y a information qui faux au sujet de militaire là. Mais qui sa information ça, mesdames et messieurs? Mais ça qui est. N'importe information, attendez bien, oui? N'importe information qui passe selon ça que la Russie pense qui sont bonnes informations, mais c'est fausse information. Par exemple, dans la télévision russe, ou pas carré les bagailles qui passent en Ukraine dans une guerre, ni pas en guerre, ou pas carré les guerres. Pour les lits, une spéciale opération, une opération spéciale. Si par hasard, ou ta parlé, pendant quoi parler, ou dit qu'il y a une guerre en Ukraine, il y a 15 années prison. Dans la Russie. Pendant qu'on a parlé là. En dans Russe, il y a plus de 7 à 8 000 personnes qui sont en prison qui ont fait des manifestations. Bagay sa yo, yo pa ka paraître dans le journal, ni yo pa ka paraître dans la télévision. Ou est-ce que nous sommes là, nous sommes ici? Pep, oui, cela n'a pas de bagay sa yo. Parce que vous n'avez pas accès à la télévision, vous n'avez pas accès à téléphone pour prendre information sur Facebook, YouTube, Twitter, pas de bagay sa yo. Google, fermé. Elle dit que Vladimir Poutine, un seul homme, décide qui sa million de monde capable de faire chaque jour. C'est ça nous la démocratie dans le pays russe. C'est ça que en pile haïtien a cherché mesdames et messieurs. Yon seul homme, lui même seul qui a raison, tout million moun dans le pays a, yo tout ces moun sort. Yeah. C'est ça que moun a vraiment mon pou li a. C'est ça que moun a respecté pou li a. C'est ça que ou même qui sont haïtiens cap essayer ouverger moun nan. Ba moun nan des informations, c'est ou même y a monté dans maman pour gens de moun sa yo. Vladimir Poutine. Yon moun ki kembe des milliers de gens en otage. Ki contrôle, ki sa ki capable wè, ki sa ki capable di, sa yo capable tande. Jodi an la, ka passé nan 21e siècle la konya la. Pendant que le monde a essayé pour libre pendant que le monde a essayé harmoniser yo pendant que n'a sorti dans âge barbarique n'a rentré dans un temps moderne côté que internet télévision satellite espace exploration science a évolué nous gagnons l'homme qui voulait nous retourner back dans medieval time côté que un seul homme l'a dirigé et avec zam tant que Wane Bikadneze avec zam li avec Epeli, avec Fosli, la metto en bas domination. C'est moun sa yo, que la plupart
des intellectuels dans la communauté, des gens qui comprennent l'histoire du monde, c'est le monde ça yo qui a honoré sans pas même connaître contexte ça qui a passé. Bagay ça fait mal. Et c'est ça que fait me dire nous mesdames et messieurs. Les n'a regardé communauté haïtienne. Me garde le comme ça, sauve qui peut. Sauve qui peut. Sou ka sauve tête ou sauve tête ou. Parce que m'pa kwè gagner chance pour nous-mêmes nous jamais retourner en bac pour nous venir tourner en bagaille. Parce que pensez nous li vraiment sale. Li vraiment sale. Yè m'ap gade, mesdames et messieurs. Lalan voyon photo ban moi sur Tahiti. Comment yon coupe tête yon policier dans mitan la rue? Sans tout côté. Bala fait pas son mauvaise journée. Ils avaient que nous pas trouver pas venir hier, pas faire émission avia pour midi parce que pas capable. Vraiment. On pas capable bagaille comme ça. Peuple la vienne sensitif comme si peuple a perdu toute sensibilité à la mort. Crime, destruction. Li vinn tenir un bagaille normal pour peuple haïtien. Au lieu que peuple haïtien les focus sur ce qui a passé dans la communauté, la bataille pour un dictateur qu'il ne peut jamais rencontrer, qu'il ne peut jamais rencontrer, qu'il ne peut jamais faire rien pour lui. C'est ma bataille pour idée. Ces mêmes gens qui nous étaient, ouais, lorsque le Brésil a joué avec l'équipe haïtienne, haïtien, oublié si c'est haïtien qui est lié, la bat bravo pour l'équipe étrangère. Parce que haïtien n'a pas besoin qu'on ait la bataille pour même bagaille qui va regarder. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une bagaille. Je dis là, c'est l'Ukraine. Demain, il y a dans l'autre pays. Il y a dans Haïti. Mais on bagaille que je vous dis, mesdames et messieurs, je vais vous éviter encore. Et action que Vladimir Poutine prend pour attaquer l'Ukraine, unit le monde là. Et qu'on y a là, en pile l'autre pays qui peut encore entrer dans l'OTAN, pays ça où qu'on y a là pose question. Est-ce qu'il n'y a pas l'heure, il n'y a pas temps pour nous-mêmes tout pour nous entrer dans pays OTAN? Parce que nous, ouais, qui est-ce vraiment qui s'attend? Nous, ouais, vraiment, qui est-ce qui veut détruire le monde? Qui est-ce? Qui est-ce? Actuellement, qui ça là de vous déclarer? Pas parce que la Russie envahit l'Ukraine, Suède avec Finlande. Deux pays sa okon y a là, yo vle entrer dans pays OTAN. Et mesdames et messieurs, nous sommes capables. Et la Russie dit que si que deux pays sa ont pensé pour aller entrer dans OTAN, l'a attaqué au tout. Now, regardez bien ma plan pour nous, mesdames et messieurs. Nous voyons l'Ukraine en bas là. Right? Nous voyons l'Ukraine en bas là. Nous voyons Moscou qui est la capitale pays russe. Nous voyons Helsinki et nous voyons Finlande avec Sweden tout près. Eh bien, deux pays, ça, mesdames et messieurs, c'est next target pour pays russe. Il n'est pas capable d'attaquer l'Ukraine, Pologne, Germanie, Slovaquie, France. Il n'est pas capable d'attaquer pays ça. Parce que pays ça déjà, c'est fait partie de OTAN. Mais deux pays ça, Finlande avec Sweden, eh bien, Vladimir Poutine voulait qu'on y là, entrer pour le forcer pour accepter domination.
Mesdames et messieurs, m'pral tourner. M'pral camper. Parce qu'il y a plus de bagaille pour nous parler aujourd'hui là. Jeudi, c'est samedi. Nous allons parler. Pour qui ça, Vladimir Poutine, pas envahi l'Ukraine pendant que Trump est sous pouvoir. Nous sommes Abner Gélin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Na wapita. Bye bye.